Dans un podcast de la BBC diffusé en 2021, le prince William a révélé que le prince George avait déjà conscience des défis environnementaux. Le jeune prince a été sensibilisé à la cause écologique lors d'une activité extrascolaire. Ce jour-là, sa classe ramassait des déchets. Le prince George suivrait-il déjà les traces de son grand-père écolo, le roi Charles III? Si est-il bien possible? Dans un podcast de la BBC diffusé en 2021, le prince William a révélé que son aîné, âgé de 9 ans, avait déjà bien conscience des grands défis environnementaux de notre époque. D'après le prince de Galles, le petit prince aurait été sensibilisé à la question climatique lors d'une activité extrascolaire organisée à l'école préparatoire Thomas Battersea de Londres, où il est scolarisé depuis 2017. Récemment à l'école, George est allé ramasser des déchets, a raconté l'époux de Kate Middleton à la BBC. Je n'avais pas réalisé, mais en discutant avec lui l'autre jour, j'ai constaté qu'il était un peu perdu et agacé par le fait d'être allé ramasser des déchets un jour et que le lendemain, en prenant le même chemin à la même heure, tous les déchets étaient revenus et ils ont dû tout recommencer. Je pense qu'il essayait de comprendre d'où venaient tous ces déchets. Il n'arrivait pas à comprendre, il se demandait « on a déjà nettoyé cet endroit ». Pourquoi il y en a encore? Ce serait un désastre absolu si dans 30 ans, George se retrouvait à ma place toujours à la radio britannique. Le prince de Galles s'est avoué attristé par le fait que son fils doive se soucier de la question climatique. Il ne devrait pas y avoir de troisième génération à s'inquiéter de ça, a-t-il confié. À mes yeux, ce serait un désastre absolu si dans 30 ans, George se retrouvait là à vous parler, à vous ou votre successeur, de la même chose. À ce moment-là, il sera trop tard. En attendant que George n'hérite du flambeau, le fils de Charles III et le reste de la famille royale britannique s'investissent quotidiennement contre le réchauffement climatique. En 2020, le prince William a notamment lancé le Earthshot Prize, une cérémonie annuelle qui récompense les initiatives liées à la protection de l'environnement. La protection de l'environnement était une cause chère à ma grand-mère et je sais qu'elle aurait été ravie d'entendre parler de cet événement, confiait-il en septembre dernier, lors de la remise des prix de l'édition 2022. Ensemble, nous devons faire en sorte que la transition vers des solutions durables soit le changement le plus rapide et global que le monde ait jamais connu.